Allez, bonjour, bienvenue. C'est un nouvel épisode de Cities Skylines Marinex avec Fredo. Et donc on est en plein cœur de la tourmente. Je pense que ça a été un ensemble de petites mais mauvaises décisions qui nous ont menés à une telle catastrophe qu'il faut maintenant réparer. Et ça va pas être la joie. Il y a des besoins industriels énormes parce qu'évidemment j'ai fait virer toutes les industries. Bon, je dois avouer que j'ai un petit peu triché entre le dernier épisode et maintenant. J'essaie de faire quelques trucs. Je suis pas sûr que ça ait vraiment aidé quoi que ce soit parce que j'ai fini par tout redétruire. Et là, on va essayer de voir si je peux retaper ça ici maintenant. Je me suis dit, ce serait un peu con quand même de tout faire hors caméra. Parce qu'après, voilà, faut trouver le juste milieu entre ce qui est pas forcément super agréable à suivre. Quand il n'y a que des catastrophes qui s'enchaînent, et à la fois le fait de trop en faire hors caméra, entre guillemets, et de revenir pour le spectateur dans un endroit qu'il ne reconnaît pas. Non pas que vous soyez des milliers ou des millions à regarder ça, mais qui ait au moins une certaine continuité. Donc on va enchaîner. J'ai installé de nouvelles intersections. Celle-là, c'est pas du tout fait pour l'autoroute, quoique si. Non, c'est pas du tout fait pour l'autoroute. Celle-là, je sais pas si je l'avais déjà utilisée dans un précédent épisode, je crois pas. Ça m'inspire pas tant que ça en fait. Au moment où je les installe, je me dis pourquoi pas. Et puis finalement, quand je les ai dans le jeu, je dis, ah non, ça va pas le faire. Bon, celui-là, c'est tout simple. Et on peut faire quelque chose avec ça. J'ai l'impression que rien de ce que je vais faire ne sera assez dans tous les cas. Ce qui est un peu frustrant parce que là on est arrivé à un tel niveau de catastrophe circulatoire que je sais pas trop. Donc on se débrouille comme on peut. Allez, là, ici. Tac. On va mettre ça. Ça. Très bien. Là, on continue. Ça. Là. C'est bien. Relis-toi. Ça. Là. Parfait. Ici. Qu'est-ce que ça va donner? On pourrait faire arriver sur un rond-point. Ce serait malin. Par contre, c'est pas une. Ça débouche pas sur des grandes routes, en fait, c'est ça le souci. Et les ronds-points sont vraiment très larges, c'est pas top. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, ça a mal téléchargé, super, faudrait que je le vire. Bon, écoute, on va simplement faire descendre. Page down, c'était ce bouton. La page, hop, tac, et ça va rejoindre une comme ça, tac. J'espère que ça va pas faire trop dégueulasse comme ça. Voilà. Non. On va virer celui-là. Tac. Ça va faire trop proche. Qu'est-ce que c'est affreux. Non, pas de sélection, pas de sélection, c'est juste la route. Pas de sélection. Merde, comment on fait pour sortir de ce truc du coup? Voilà, là c'est plus intéressant. Non, c'est pas beau du tout. Je sais pas du tout comment faire ça. En fait, on va les faire se séparer et on va faire un truc qui fait comme ça. Je pense.
Sinon, on peut faire un débouché sur une route plus petite, ce qui permettrait qu'elles se rejoignent de façon plus symétrique. Qu'est-ce que ça donne si on fait ça? Elles sont trop proches l'une de l'autre en fait pour faire un vrai croisement, c'est ça qui est chiant. Si on fait une route qui passe comme ça. Non, c'est pas top non plus. Bon, on va finir par faire un truc comme ça, hein. Pourquoi il veut pas là? En fait, il faudrait que ce soit un truc à sens unique aussi. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Oh, je suis vraiment pas doué pour les routes, hein. C'est ma bête noire, hein, dans ce jeu là, les routes. Non, ça peut pas être dans les deux sens. C'est ça. Voilà. Si la souris part en couille aussi, ça va pas le faire. Hein. Je crois qu'on va finir par faire une grande avenue qui va partir de là. Ah, non. Ça. Allez, ça. Ce sera plus simple. Et là, du coup, la route rejoindra. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais j'ai des trucs à apprendre, hein, niveau route. Putain, il y a du boulot, hein, c'est laborieux. Ok, là, il y a beaucoup de criminalité. Il y a la police quelque part dans le quartier. Je vois pas où il y a de poste de police là. Il y en a un là et il n'y en a aucun là, visiblement. Donc, tac. Et ben là pour le moment. Est-ce que là, il y a moyen de faire une route? Non, c'est trop ambitieux. On peut pas la caler. Non, bon tant pis. Tant pis. Tac. Une petite route comme ça. Voilà. Tout ça, c'est des usines qui n'ont pas fini de. Bah, il faut dézoner. Oui, j'ai dézoné déjà. Bon, bah, ça partira petit à petit. Ou peut-être faut les détruire carrément. Donc, hop. Bâtiment. Surface, haute voie, chemin, clôture, ligne. Ok. C'est juste bâtiment et surface hein, qu'on veut virer là pour le moment. Donc. Tout ça là. Voilà. Là. Et là. Donc on a déjà su régler un souci
d'accès, sauf que c'est pas vraiment fréquenté parce que là aussi c'est vide. Et on mettra le même, je pense, je vais pas me prendre la tête. C'est quoi ce truc? Ah, il y a un truc souterrain là en fait. Ok. Donc la rebelote pour la route. Non, ça on a dit que c'est pas une intersection d'autoroute. Il faut couper plus que ça là. Tac. Intersection de route, celle-là. Non, c'est pas le bon. C'est pas la bonne. Hop. Voilà. Merci. Là, du coup. Tac. Tac, c'est un peu dégueu là. Non, c'est pas ça, je veux pas sélectionner. C'est chiant dans Move It, c'est que j'ai du mal à passer à ça. Je veux pas sélectionner, je veux pas sélectionner, je veux pas sélectionner. Voilà. Merci. Oh non, c'est pas si dégueulasse en fait. Bon, ça va, ça va. Pas que je me prenne trop la tête avec l'esthétique parce que c'est vraiment pas l'urgence là tout de suite. Là. Là, ça va, on avait déjà une bonne base de sortie et d'entrée d'autoroute. Faut juste peut-être décaler légèrement. Non, ça va, il est bien. Pourquoi tu me fais encore ça là? T'es pénible. Y a pas un truc qui traîne encore en dessous? Ça me fatigue ce truc. Ce signe me fatigue. Bon, tout à l'heure, c'était... C'était pour ce qu'il y avait en dessous que ça faisait ça. Donc là, est-ce que... Mais il reste, hein, la putain de sa mère. Écoute, ça a l'air de fonctionner, donc crève. Hein, si tu continues, vas-y, éclate-toi, tu saoules. Par contre, c'est dégueulasse là comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas une urgence non plus. Bah, du coup, on a fait péter la route ici pour rien. Donc, on va la restaurer rapidement. Mais c'est quoi ton délire là? Mais pas du tout. Page down, putain.
Voilà. Et là, on a des gros problèmes d'électricité. Je croyais que j'avais un mode de route électrique. Un port défaut. Est-ce que là, ça va s'arrêter? Ok. Là, il faut de la police aussi, hein, parce que putain. Ok. On perd beaucoup de thunes, c'est carnage. Problème d'électricité. On va mettre tac. Les éoliennes de l'autre côté de la route. Voilà. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas vraiment arrangé, hein, cette histoire de truc là. Et comment on va faire? On va te foutre une éolienne quelque part de l'autre côté de la route aussi. Peut-être. Quoique non, il suffit que ce soit relié. Tac, tac. Tac, voilà. Allez. Maintenant, avec le peu de temps qui nous reste. Enfin, je crois. Ouais. On va. On n'est plus en déficit, c'est déjà très bien. Enfin, on est toujours en déficit d'habitants. On va se concentrer sur cette zone industrielle là. Donc, tac. Sortie d'autoroute, entrée d'autoroute. C'est bien. Vous allez donner sur... Non, reste droit. Reste droit. S'il me fait. Vous allez donner sur... Là, c'est pas droit du tout, hein. De toute façon, on peut le bouger. Voilà. Vous allez donner sur une grande route. À 6 voies comme ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec tac, tac, et là, tac, tac. Et des fois, il y aura des croisements, tac, comme ça, et là, comme ça. Donc là, ce sera la grande zone industrielle. En vrai, je me demande si je préférais pas l'avoir de ce côté de la carte. Parce que pour les bateaux et tout plus tard, ce sera plus intéressant de les avoir par là, peut-être que par là, mais bon. Bon, alors, on va chipoter. On se développe comme on peut. Et donc là, du coup, on va faire des petites entrées sur ce que seront les zones industrielles.
Voilà. Et là, on va en mettre une autre. Là, la 6 voies, elle va continuer comme ça. Voilà. On va pouvoir recommencer à mettre des trucs. Tac. Voilà. Tac. On perd beaucoup d'argent encore. Oh là, sur les abandons, c'est impressionnant. Ben, va falloir régler tout ça, hein. Il y a encore beaucoup de problèmes d'électricité. On va remettre un truc ici pour régler tous ces soucis. Et puis les habitants, ben, ils reviendront au bout d'un moment. La police. La police, où est-elle? J'ai même plus d'argent pour prendre la police, c'est fou. Et là aussi beaucoup d'abandon, bah, ils reviendront, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. La police, il y en a encore besoin ici. Et il y en a juste là, donc il faut qu'ils fassent leur boulot. Là, on va continuer les... les zones à forte densité. Merci. Tac, 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 tac. Tac, on va mettre des parcs. Un basket, allez, hop. Là, pareil, il y aura des... Hop. On va faire comme ça là. Mine du temps, hop. Je sais pas si autant on peut sélectionner de grandes zones avec Move It pour supprimer, enfin pour bulldozer.
Autant on peut en sélectionner pour faire ça là. Ça ferait gagner du temps également, hein. Une chose de plus sur laquelle il faut que je me renseigne. Il y a tout ce qu'il faut, c'est bon, ok. Bon voilà, maintenant il reste plus qu'à laisser faire et laisser la ville se repeupler un peu. On va peut-être installer des bureaux du coup. On va continuer. Pour l'avenir, ce sera peut-être plus intéressant d'avoir ce truc-là. Continuer. Comme ça. Tout droit, tout droit. Voilà. Virer ce qui est dégueulasse par ici, là. Là. Niveau zone, on va virer ça. Et on va mettre un petit peu de bureau. Ah non, je me suis planté là, c'est zone commerciale densité élevée. Non, c'est pas bon. On va mettre des bureaux. Ah, et c'est vrai que là, il faudrait que ça se rejoigne. Même faire le sens unique là, parce que ça sert à rien d'avoir les deux sens. Voilà. Là, c'est un petit peu mieux déjà. N'est-ce pas? Mais en fait, ce qui fait ça, c'est les lignes de bus. Là, j'ai niqué les lignes de bus. C'est pour ça que ça bug comme ça, parce qu'il y avait une ligne de bus qui s'arrêtait là avant. Il faut que je supprime. J'avais un petit doute que ça aurait pu être ça, mais... Hop. Il faut les refaire. Parce que là, voilà, tu vois, le signe s'est enlevé. Donc, parfait, c'était juste les lignes de bus qui saoulaient. Donc, pour l'instant, on va en remettre juste une. Tellement esquinté les routes et enfin tellement refait tout que évidemment que les lignes de bus elles ont pas tenu et j'ai même plus assez d'argent pour faire une ligne de bus quoi. Ah non mais il faut d'accord construire un dépôt. Et ben le dépôt il sera à ce niveau. Non, quoi que non il y a tout un quartier là-bas hein, entre guillemets désaffecté avec les bureaux et tout qui pourrait servir à ça. On va le mettre là. Et là, du coup, il va y avoir une ligne qui va partir d'ici.
qui va aller jusque là. Jusque là. 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 Et elle va retourner là-bas. Voilà. Et on va faire une autre ligne qui va aller jusqu'aux usines. Ça part d'où? Elle part où cette conne? Voilà, très bien. Allez. Il reste maintenant, bah c'est bon, là on est bien reparti, la population remonte, l'argent aussi. Donc ça va, là on est reparti entre guillemets plus ou moins sur de bonnes bases, sur de meilleures bases du coup. Il fallait juste détruire toutes les bases qu'on avait construites quasiment depuis le début. Pour reprendre, mais ça va revenir. Et donc tout ça, bon, on va mettre des, là c'est quoi, zone de bureau, et ben, on va faire une zone commerciale ici, tout ça comme ça, tout ça comme ça, tout ça comme ça. Après, il reste aussi, voilà, quelques petites reliques à supprimer au fur et à mesure. Notamment cette zone industrielle qui est dégueulasse et qui a plus sa place ici. C'est quoi le reste là? Ah non, c'est des trucs qu'ils ont plus de zone parce que ça a été un peu plus ou moins quitté comme ça. Et voilà. Là, c'est beaucoup mieux. La circulation, c'est bien mieux également. Là, on est comment? On est bon. Ça roule très bien. Et de ce côté-là, aussi. Donc, parfait. Ça va se repeupler petit à petit, cette zone-là. C'est pas un souci. Je vais juste placer un truc pour poubelle, parce que je crois que j'ai viré ce qu'on avait, peut-être. Ouais. Et le truc pour poubelle, il va aller là pour le moment et ils seront déplacés ensuite. Voilà. Enfin, on peut respirer un peu, on est libéré, on va dire, des catastrophes et on va pouvoir mieux se concentrer sur le développement de la ville qui est en train du coup de se repeupler petit à petit, de se réenrichir petit à petit. Donc tant mieux, on peut dormir enfin tranquille. Merci d'avoir suivi cet épisode de Cities Skylines Marinex. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures très palpitantes de cette belle petite ville. Bye bye!